Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous trouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de musique parce que j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que j'ai pas parlé de musique. Les deux dernières vidéos de ma chaîne c'était pas du tout de la musique, donc je me suis dit on va revenir aux bases. Donc bref, j'ai remarqué qu'on parlait pas mal des rappeurs, que sur YouTube ou partout, quand on parle de musique, on met les rappeurs et on met pas les rappeuses. Donc je me suis dit allez, on va en parler un peu parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai découvertes récemment, d'autres il y a pas mal de temps, et je me suis dit allez, on va parler de filles un peu, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère vous faire découvrir des sons. Sinon, kiffez même si vous connaissez déjà la musique. Voilà, bref, on commence tout de suite. Alors, la première artiste que je vais vous faire découvrir, c'est Reverie. Donc, je sais pas du tout comment j'ai découvert ça. Je crois que vraiment par le plus grand des hasards. J'ai été sur YouTube, j'ai navigué comme d'hab et j'ai vu une proposition sur le côté. J'ai cliqué et finalement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je fais écouter direct parce que c'est vraiment super cool. Et j'adore vraiment le flow qu'elle a. We scheming, we making money across the globe, it's like I'm dreaming. Don't make a threat against my life unless you mean it. You say you banking out and paid, I don't believe it. I've been running on empty. Hit the studio, sipping out the air, came through with a henny. Can't say no to anything that tempts me, copping the best we say. Je trouve qu'elle a vraiment un bon flow et c'est vraiment cool à écouter, donc franchement je la recommande. Après j'ai pas vraiment écouté cette autre musique pour être honnête, mais celle-ci en tout cas je l'ai beaucoup. Alors en deuxième grosse découverte, je sais pas du tout si on peut qualifier ça de rap. En tout cas je la kiffe vraiment, donc j'ai découvert ça grâce à mon frère, donc Victor, big up. En fait c'est une rappeuse allemande et je suis pas du tout habituée à écouter de l'allemand, même en chanson ou quoi que ce soit. Mais en tout cas ça passe vraiment bien et je trouve que la musique est vraiment old school en fait. Et j'adore parce qu'elle a vraiment un style de malade et le clip est vraiment cool et je sais pas. Donc le titre c'est Beast Do Down de Ace-T. Je sais pas si c'est comme la boisson, je sais pas. Bref, je vais écouter ça parce que c'est vraiment cool et elle mérite vraiment d'être écoutée. Bref, vous avez vu un peu le délire du truc, c'est vraiment trop bien et j'adore ce style old school un peu, donc vraiment j'ai bien écouté. Je sais pas si elle a fait d'autres musiques, mais je crois pas, je crois qu'elle se lance tout juste. Et je crois que cette musique elle a fait pas mal de cartons, donc belle affaire pour Ether, je pense. Une troisième fille dont je voulais vous parler, c'est Nadia Rose. Donc elle a vraiment un flow aussi, je trouve, c'est assez posé, on pourrait dire ça comme ça. C'est DFWT. Je vous fais écouter parce que je pense que vous allez beaucoup aimer aussi. Fuck with them. No way, no way. Even if I was horny, if I was old, and I'd stay poorly. Cause I don't fuck with them. No way. Them bitches hate me, but they should've known for the moment they saw me that I'm the man them suck. Legend Amida. Me and my bitches, they're my amigos. We've been out on the roads, done about three shows. Alors ensuite, quatrième artiste, je crois, quatrième. Je sais plus. Vraiment, c'est une artiste que j'adore. Je pense que vous connaissez aussi si vous êtes dans l'univers du rap, du old school. Parce que c'est Lauryn Hill. Et Lauryn Hill, elle fait encore des trucs récents, je crois. Mais en tout cas, j'adore écouter ses anciens sons. Donc là, la musique que je kiffe vraiment par-dessus tout, c'est Do Up. C'est vraiment old school, tout ce que j'aime. Je vais écouter parce que j'adore vraiment. Ensuite en cinquième, donc je vais vous parler de Kehlani. Kehlani, vous connaissez tous je pense, malgré que je vous la présente quand même parce qu'elle fait partie des artistes féminines que j'écoute. La musique c'est une ancienne, enfin une ancienne, date de 4 mois, mais bon, c'est la musique Crazy qu'on a beaucoup entendu sur des playlists, j'ai remarqué. Mais je vous la fais écouter quand même pour plaisir, donc c'est parti. Everything I do it with a passion. If I gotta be a bitch, I'ma be a bad one. I'm AI with the designs do rag. Bounce back game good while we talking practice. Yeah, yeah, yeah. Pull up score when I want to. Best thing that's to have. They be tryna count me out though. I'm just kinda counting blessings. Alors ensuite sixième artiste, donc c'est Lady Lasher. Cette rappeuse j'adore, elle a fait plusieurs parties, donc comme MHD partie 1, partie 2, jusqu'à partie 7. Elle a fait Queen's Peach, donc plusieurs épisodes, je sais même plus combien elle en a.
moi mon préféré loin de là c'est épisode 4. Je vous fais écouter parce que j'adore vraiment cette musique. J'adore cette artiste, je trouve qu'elle rappe tellement bien et je trouve qu'elle a un flow aussi, franchement elle vaut le détour. Donc je vous fais écouter ça direct. I hold it down like a snapshot, go over your head like a snapback. Uploaded a pic, double tap that, and your flow so old, granddad. It's just banter, I'm way too much like a black cab. What are you snapchatting in the club for? Just dance man, like yo fam alam, yo fam, yo fam alam. Ain't no girl better than, I'm on the roads, caravan. Let me do this fast, Ramadan, cause it's going down, avalanche. I'ma keep it short, paragraph. La 7ème c'est Peg KK, donc c'est Pattern, cette musique elle est... Al dente. Non franchement elle est vraiment cool, c'est pas ma préférée de toutes celles que je vous ai présentées. Mais elle passe très très bien et je trouve qu'elle fait un petit peu énervée. Ça fait un peu genre... conquérante, donc j'aime bien. Voilà, je vais écouter, donc je vous en dirai des nouvelles dans les commentaires. When they wanna watch face, they double click on my avi. I've always been too on, my name should have been Tinashe. I told them I never change, I gave it all to my cabbie. Whip it up in the kitchen, I should have got me a Grammy. I'm bossy, you know me, never get too cozy. Don't mention my name, just come and approach. J'ai fini, ouais j'ai fini. Donc ça a pas duré très longtemps j'ai l'impression. Mais bon c'est pas très grave. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, faites ce que vous voulez. Moi je trouve je... Moi je vous retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Donc portez-vous bien, donc bye. Down, down. Hey, what up, it's so down, down.